Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc sur la fameuse catégorie de vidéos qu'on faisait avant, les séries qui commencent et se terminent pour moi pendant le mois d'octobre, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je le rappelle au cas où, le principe de cette vidéo c'est tout simplement te montrer les titres qui vont commencer en octobre et les titres qui vont se terminer en octobre qui m'intéressent. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je vais forcément les acheter, mais au moins qu'ils vont finir dans ma wishlist. Et voilà. Donc c'est parti, on va activer donc l'application. C'est surtout activer l'enregistreur. Donc on attaque directement avec la journée du 4 octobre, il n'y a rien avant, bien entendu le lundi, le mardi c'est rare qu'il y ait des sorties. Donc là le 4 octobre, je vois juste One Piece épisode A, tome 2, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est juste ça. Shiruran, je le dis vite fait, mais moi j'ai que les 8 premiers tomes. Petite note quand même qui peut être intéressante pour vous, qui est les coffrets du tome 23 à 26, 27 à 30 et 31 à 34. Si jamais ça peut vous intéresser, voilà, pas pour moi, ah si, ouais, il y aurait éventuellement, mais ça c'est juste une série que je continue, Night White Cat, mais j'ai toujours pas lu le tome 1, ah voilà ce qui m'intéresse, le tome 1 de Pumpkin Night, et je sais plus quand cette vidéo va sortir, mais la veille, le 3, je t'aurai présenté donc mon avis sur le tome 1 de Pumpkin Night, et c'est par l'auteur de Nuisible. Que je n'ai pas aimé. D'ailleurs, c'était Kana qui avait eu ça. Donc, ils ont Mangetsu a piqué l'auteur de Kana. Bon. Ensuite, on a un manga en parfaite édition. Ah ouais, quand même. Kriing Freeman. Je ne sais pas du tout prononcer ça, désolé. C'est par l'auteur de Triumph Game. D'accord. Mais non, ça ne me tente pas du tout. J'ai l'impression que j'ai une mèche qui est mal mise, ça me saoule. Bref. Ah si, voilà, on a pour le 4 octobre le vendeur du magasin de vélo, qui avait l'air plutôt pas mal. C'est une série donc des éditions Le Lézard Noir, si je dis pas de bêtises, et qui est toujours en cours. Ça, j'ai regardé juste le 4 et le 11 sur ordinateur ce matin. Voilà. On a, si, voilà, ça m'intéresse, c'est Miyabishi no Onmyoji, l'exorciste hérétique. Le résumé m'a beaucoup intéressé, il y a 3 tomes toujours en cours, du coup, au Japon. La série des éditions Soleil, et c'est un manga, du coup, dans le genre halloweenesque, donc forcément, ça m'intéresse. Ensuite, on a Tokyo Tarareba Girl. La saison 2 qui commence, c'est par l'auteur donc de Tokyo Tareraba Girl, la saison 1, de Le Tigre des Neiges, de Princesse Jellyfish et d'autres titres. Gourmet Détective aussi, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ah putain, ça me saoule. Je dois avoir une mèche, une pauvre petite mèche qui est mal mise et ça va me gonfler tout l'après-midi. Bon, tant pis. Après, on a... si, Magical Cheer, Sorcière dans un autre monde. Oui, c'est des éditions Soleil, il m'intéresse. Voilà, le tome 1. Le 5, je crois que j'avais rien vu. Je l'ai dit, j'ai regardé jusqu'au 11 seulement, vite fait, là, tout à l'heure. Non. Les carnets d'apothicaire, au cas où ça puisse vous intéresser. Et ce serait par l'auteur des carnets d'apothicaire? C'est bizarre. Je pense qu'il y a un loupé là. Voilà. Ensuite. Ah oui, je vous le dis. Il y a le 5 octobre, le Jujutsu Kaisen édition Prestige, tome 21. Pff, rien à foutre. Il y a The Co. Comme mon pire, je sais pas du tout comment ça se prononce, je l'affiche ça à l'écran,
Donc c'est un manga des éditions Vega Dupuis, il a 8,35€, ouais, ça reste correct. 4 tomes, c'est un manga qui m'intéresse mais je n'ai pas trouvé d'avis ou quoi que ce soit, je ne suis pas tombée sur un avis dessus, donc dommage parce qu'il m'intéresserait probablement. Ensuite on a Comme une famille, le tome 1 des éditions Shiba, mais je ne sais pas si c'est pas dans le sens français du coup. Si c'est dans le sens français, c'est sans moi, très clairement, surtout si c'est un webtoon. Si c'est un manga, ça, je prendrais, si c'est un webtoon, non merci. Le mercredi 11 octobre, donc on a Fantasy Lazy Life, tome 14, faudrait peut-être que je rattrape un jour. Enfin, j'ai les bouquins, j'arrive pas à le voir de là, Fantasy Lazy Life, mais j'ai pas mal de volumes, et faudrait juste que je lise. Ah, j'en profite, le mercredi 11, on a The Summer Hikaru Died, je ne sais pas du tout comment vous le prononcez. Bref, toujours est-il, ça j'ai lu l'extrait et je n'ai absolument pas accroché, donc je le présenterai même pas dans une vidéo extrêmement manga, j'achète ou pas, parce que j'aurais vraiment que dalle à dire, mais vraiment rien à dire. J'ai juste pas accroché, j'ai trouvé ça sans intérêt. Voilà. Voilà, on va avoir enfin le... Fear Mate Kitchen par l'auteur de Aohashi. Donc c'est un manga toujours en cours et qui parle de maths. Enfin c'est un gars qui était accro au maths qui a foiré et qui va se retrouver en cuisine. C'est tout ce que j'ai retenu du résumé. Pardon, j'ai tourné le téléphone. Ensuite on a Minogra, je sais même pas le prononcer. Attends, je vais te l'afficher, voilà. Annonciateur d'Apocalypse. Super, j'ai la pub à l'Express. Ouais. Donc, Minogra, annonciateur de l'Apocalypse des éditions Delcourt Tonkam qui m'intéresse fortement. Ensuite, on a. Un dragon dans ma cuisine des éditions Nobi Nobi, c'est un Genki, donc c'est un shoujo âge conseillé aux 12 ans et plus. Quand je te dis que j'ai regardé tout à l'heure, c'est que j'ai regardé tout à l'heure en fait. Voilà, donc ça c'est un manga qui m'intéresse, surtout qu'en plus on va parler de bouffe et d'animaux fantastiques, dont un dragon. Je vote pour, très 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 clairement. Voilà. Frankenstein, un one-shot de Nobi Nobi peut potentiellement m'intéresser. Donc je vais me le noter. Donc le 12 octobre, nous avons le fameux manga Spice Family. Et moi je ferai donc la soirée sur Bordeaux, du coup, spéciale sur le tome qui est la veille. Je crois que c'est le 11 du coup octobre. Voilà. Ensuite. Alors juste, je tiens à le dire, voilà, mon petit ami Genderless, n'oubliez pas que la série est terminée en 5 tomes, si je dis pas de la merde, sinon je te l'affiche à côté de moi. On a donc aussi Ocean Rush, le tome 3, je le redis au cas où, voilà, j'ai le tome 1 à lire, et donc je vais essayer de lire le tome 1 et 2, enfin, déjà le tome 1, et après je verrai, mais j'essaierai de lire le tome si besoin, le tome 3 du coup, pour... voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je me suis perdu moi-même. Akane Banashi, je n'ai pas du tout accroché à l'estrée. Voilà, je te fais en même temps un estrée manga, j'ai tout pour me dire même. Goblin Slayer Daikatana, je le dis parce que c'est le tome 2, mais il m'intéresse après à voir parce que je trouve que Goblin Slayer, et c'est comme moi quand je me réincarne en slime, je trouve ça bizarre et j'aime pas trop l'idée qu'il y ait 36 000 histoires différentes. Confidence d'une prostituée, qui est un one-shot des éditions Akata, donc qui sortira le 12 octobre. Je l'ai demandé à Akata. Par contre, l'autre œuvre de chez eux, qui est Autant on emporte la brume, je ne l'ai pas demandé. Et on était beaucoup à ne pas l'avoir demandé, très clairement. Donc, pour moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, déjà, il faut que je rattrape, moi, quand je me réincarne en slime, parce que j'ai, genre, je crois que j'ai tous les volumes sortis, donc jusqu'au 20 et quelques, alors que je m'étais arrêtée au tome 7.
il y a l'espèce de bienvenue comment dresser un monstre ou un truc comme ça, plus ça, va se calmer. Donc moi j'attends de voir, voilà, très clairement. Oh tiens, il y a un coffret du coup. Je me note juste pour moi le coffret, parce que je vous ferai forcément en décembre une vidéo comme j'avais fait l'an dernier sur les coffrets et qu'est-ce que je vous conseille ou pas. Pleasure Island qui doit être du coup, voilà, des éditions Dynamite, donc c'est un hentai à 17 euros. Ah, je suis désolée, non. Je veux bien vous présenter des hentai, mais à un moment donné, non. Et donc du coup, bah si vous avez vraiment envie que je vous présente du Dynamite, prenez Dynamite, que je veux bien être en collab avec eux, mais moi j'achète plus. J'achète pas des titres aussi chers. Hein. Très désolée, mais non. Donc, le vendredi 13 octobre, nous avons pour l'instant rien qui. Si, Lovely Friend Zone. Ok, on a Lovely Friend Zone qui va se terminer. Ring Eyes, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois qu'il m'intéressait, mais j'ai dû tellement laisser passer. Mercredi 18, on a donc pour moi qui peut m'intéresser Monsieur Malo Blue. Malo Blue, ouais. Qui est par l'auteur de Bloody Mary. Bloody Mary, j'ai le tome 1, au moins le tome 1 dans mes étagères, après je ne sais pas plus. Je crois que j'ai quoi le tome 1. Donc voilà, je le note. C'est un manga des éditions Glénat et voilà, il peut m'intéresser. Ensuite, pareil, on a Jenny Bride. Jenny Bride, je ne sais pas du tout comment il faut le prononcer, des éditions Glénat qui m'intéresse fortement. Le one shot Les âmes enflammées, je me suis posé la question. Et là, il n'y a pas le résumé, donc je me suis posé la question, à voir. Par contre, un titre qui m'intéresse fortement, c'est Shiita. Ça m'a fait penser à Shiitake, qui est un champignon. Shiita et la forêt des minuscules. Donc, c'est un manga des éditions Nobby Nobby. Si je dis pas de bêtises, il est terminé en 3 tomes. Je suis contente parce que, dans un sens, je me dis que s'il n'y a rien que je note dans les séries qui commencent et qui se terminent, ça veut dire que peut-être j'ai réussi à me détacher un petit peu de toutes ces sorties et qu'il y en a beaucoup moins qui m'intéressent. Si je suis content, il y a L'ami de ma fille qui est au tome 6 et je crois que la série était terminée en 8 tomes. Donc ça veut dire que c'est bientôt la fin. Et je peux dire enfin. Ah non, c'est que c'est des éditions Taifu, pardon. Le rouge et le bleu, là, c'est des éditions Taifu, pardon. Par contre, les éditions Anna, ça sera donc le lundi 23. Romantique Lament m'intéresse. Ne refuse pas mes baisers, c'est de Goodbye Red Berly. Je vais tenter. Je sais plus ce que j'ai pensé de Goodbye Red Berly, c'est pour ça. Strelitzia m'intéressait. Orage et miel à vérifier. Roku and Rui, je crois qu'il m'intéressait aussi. Ensuite, le mercredi 25, on n'a rien pour moi. Si je tiens à le placer juste comme ça, il y a Horizon en 3 tomes des éditions Nazca qui se termine. Moi, il ne m'a pas intéressé, il n'était pas fait pour moi, mais je préfère quand même te le dire et leur faire un petit coup de pouce au cas où que vous n'ayez pas encore commencé la série, à savoir que donc la série est terminée. On a un one shot par l'auteur de Aohashi. Mais ils sont en train de sortir tout ce que l'auteur a écrit, c'est pas possible. Bref. Short Space à voir parce que rien que la couverture m'intéresse fortement. On a Clown Doctor qui est de Nazca Edition qui m'intéresse. On a après je sais plus lequel c'est qui est de Nazca aussi. Je sais que en fin de mois comme ça là le 25 il doit avoir deux sorties de Nazca Edition, les deux m'intéressaient. Voilà, je suis en train de chercher. Voilà. Ah ben c'est celui-ci, c'est For the Sake of Sita. For the Sake of Sita, qui est donc le tome 1 d'une série des éditions Nazca. Les deux m'intéressent, mais à mort. Family Man. Je vous laisse lire le résumé. Je vais vous mettre les résumés des trois titres, comme ça vous pourrez les lire. Mais moi, je te mettrai une petite icône pour te dire il m'intéresse réellement ou pas. Là, j'ai pas le temps de le lire parce qu'on fait la vidéo, mais voilà. Donc, ça, c'est The Snake. Et Clown Doctor, du coup, en espérant qu'il y ait le résumé. Non, il n'y a pas le résumé. Bon, ben, il n'y aura pas le résumé du coup pour Clown Doctor.
Shigaimi, le coffret, donc non, le 26. L'enfant du dragon fantôme, on en est qu'au tome 4. Waouh, incroyable. Si, par contre, là, j'en profite. Je dis merci aux éditions Akata. Je suis en train de me dire que mes oreilles sont un peu loin. Donc, juste merci aux éditions Akata qui vont republier Black Rose Alice. C'est un manga qui m'intéressait, mais alors depuis que j'ai commencé le manga. Et il faut savoir en fait que je sais pas, j'ai pas dû commencer parce que bah, quand tu commences, t'as pas, tu sais plus pas, tu sais pas trop par où commencer, donc tu te concentres sur certains trucs. Mais j'ai l'estrait. Incroyable, mais j'ai l'estrait. Et donc il m'avait fortement intéressé, mais jamais acheté. Pourtant, c'est du mangaka qui a fait le jeu du chat et de la souris. Et il faut savoir que j'ai lu le jeu du chat et de la souris. Voilà. Le tome 1, j'avais lu après quand il y a eu une espèce de suite que je n'ai pas aimé personnellement. On a Mes 100 contes mortels des éditions Akata. Pareil, lui, il m'intéresse, mais à mort. Donc, je précise, si Akata me les propose pas en collab, si je peux pas les avoir en collab, je me les achète là, il n'y a pas à chipoter. Ces deux-là, je les veux. Et l'autre titre, c'est un yaoi. Non. Ah, c'est un manga des éditions Komiku, ok. Bah, il m'intéresse. Est-ce que le titre me dit quelque chose? Je crois que j'avais déjà lu le résumé quelque part. Ensuite, le 27 octobre. Putain, on est déjà là pour Yu Yu Hakusho. Incroyable, mais vrai. Je n'ai que les 4 premiers tomes. Incroyable, mais vrai. Voilà. Je crois que j'avais quelqu'un qui devait m'offrir le tome 4, mais je crois que c'est l'abonné en question que je dois avoir depuis Noël. Voilà. Color Recipe. Il était pas déjà sorti ça? Ou alors il republie parce qu'il y aurait un tome 2? Peut-être. À voir. À vérifier, mais bon. J'avais pas entendu du bien. Veille. Et de tome 5, il m'intéresse. Je sais même plus où j'en suis d'éveil. Ah bah j'ai que les deux premiers. Voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Mon like, mon commentaire, mon partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc je te mets ici la précédente vidéo. Ici une autre vidéo en recommandation. Ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted comme d'hab. Et sur ce, à plus.